Bon, moi de mon côté, c'est bon. Ils ont réussi à passer, quoi. Je poursuis des patrons disciplinaires avec mes ingénieurs. Allez, ils étaient 5, 4, 3, 2, 1. Encore un, il est découvert, c'est Zéro! bon. Bonne année! Bonne année à toi aussi. En retard ou en avance? Tout dépend de quand on regardera la vidéo. Ouais, ça dépend que tu la regardes. Bah tiens, je la regarderai au nouvel an. Tu me diras, j'ai peut-être pas que ça à faire. Mais... Non, on fera les cons au nouvel an. Aïe. Faut qu'on se respecte. On a vraiment que tu récupères ces chars. Ouais, mais il m'attaque sans cesse. Alors, faut que je refasse un bunker aussi. Ouais, bon, dommage que j'ai pas mis les artilleries grade 3 pour augmenter leur portée. Tu peux pas tirer plus loin que là, en gros. Ah, ils m'ont tué deux hommes lors de cette attaque. Après les vingtaines qu'ils ont perdues. C'est quand même ballot. C'est russe. Ah oui, ça, ce que j'aime bien dans cette mission-là, c'est que ça illustre la politique russe. Mais si tu fonces dans le tas, quoi. Voilà. C'est comme à campagne, la première mission que tu fais, c'est tu changes au milieu des mitrailleuses ennemies. Oui. Il rigolait pas, mais ça Même. marchait très bien. Du fait que je sens de la haute cadence de tir de MG42, donc 1200 coups minute, et le fait que à peu près tous les 200 à 400 balles, on Peut devait changer à peu recharger. près le canon, parce qu'il était à moitié fondu. Ouais, c'est pour ça. Fallait pas trop tirer. Et des courtes rafales. Ouais, mais bon. Le retard le plus souvent, voilà, c'est le gros défaut. Je sais plus combien d'hommes il fallait derrière MG42 pour qu'elle fonctionne correctement. En comptant les munitions, les canons de rechange, tout. Bon, bah, ils m'ont eu un T-34. Bravo, Valentin. Coup de fusil anti-char. Pas grave, il en reste un. Voilà, j'avance. Alors, bah. Bon, moi j'ai récupéré le poste de soins, l'infirmerie. Hein. En haut à droite, ça sera le poste mécanisé. Ah là, je peux pas tirer. Mon artillerie est tellement inutile maintenant. Bon, bah, ils m'ont eu mon deuxième T-34. Fusil anti-char. Pas grave. Oh bah si, ça aurait été bien de les avoir. Ah, ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Hein, c'est dommage, quoi. Et le QG ennemi, bon, attaquer l'église, c'est un peu du suicide. Donc on oublie l'attaque de l'église. C'est du DP-28 ça par terre. C'est cool ça. Ah oui, des fusils d'épée avec des PTRS au milieu. Le PTR, je prends pas ça. Ça réduit l'efficacité anti-infanterie, mais les DP-28 c'est efficace ça. Voilà, je suis en train de récupérer en plus le bunker de mon. Mais bon, moi de mon côté, j'ai totalement. Mon côté, j'avance lentement mais sûrement. Moi, je suis déjà en position déjà pour bloquer en fait les renforts ennemis. Parce que oui, les renforts ennemis spawnent. Voilà, ici. Les renforts ennemis en haut spawn ici. Donc oui. Moi je suis déjà prêt. Hein. Il est en train de faire un barbecue avec mes hommes, là, votre adversaire là. C'est rigolo ça de faire sauter les lance-flammes. T'as pas oublié d'amener les saucisses? Non, les saucisses, c'est moi. Oh. 2T34. Bouger deux. Oh non, mon sniper! C'est méchant! Oh, facultatif un sniper. Mais il m'a tué mon sniper avec moi, en un obus de 76, ça. Bah tiens, Allez hop. mange. Tu m'as tué mon sniper, bah moi je te tue ton char. C'est donnant-donnant.
Bon, sauf que moi, c'est à la mine. Maintenant, moi, je fais un véritable champ de mine. Ah bah, pareil. Tu connais le champ de mine de, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? Ouais, c'est leur frontière, là. Ouais, bah, je C'est suis en la... train de faire pareil. À 30... Eux, c'était un 30e parallèle, moi, je fais pareil. Je sais pas, je suis à combien de parallèles, mais bon. Eh bon, attends, moi je vais t'envoyer mes chars parce que t'avances trop lentement. Oh, si, genre, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. C'est juste que maintenant, j'ai mon infanterie. Mon T'inquiète pas, infanterie, les troupes donc qui elle est partent, plus sur t'inquiète ici. pas, je m'en occupe, ceux qui vont Non, mais ils arriver. vont mourir. Eh bah, regarde, c'est tout ce que j'envoie. Voilà. Il y en a qui jouent à Medieval 2 d'Ottawa. Kindot. Ah oui, et évitez de mettre les mines l'une à côté de l'autre. Sérieux, il a rien fait mon bunker? Et non! Vous avez été obligé de t'en faire sauter une pour tuer les squads. Ouais, mais tu me tires sur mon bunker, c'est ça le pire. Pas grave, il est debout! Mais bon! Ah. Et que notre joueur qui a tué un de mes ennemis en tir direct. Où KV1? Où KV1? Chez toi? Ouais, qu'il y avait un, c'est méchant, c'est un peu résistant. Balance une grenade à fusil dessus histoire de neutraliser. Oh, oui, d'accord, c'est méchant, regarde, faut que tu lui mets. Je sais, Ah, il est fumé le il y a paquetard. un autre qui avait un. Oh, pas dur. J'ai jamais dit que c'était dur en KV1. Bah, c'est censé avoir un bon blindage. La J'ai vu paquetard. les Allemands quand ils sont arrivés avec leur canon de 50 mm et de 37, ils n'arrivaient pas à le pénétrer. Jusqu'au moment où ils Il a se sont quand même dit, bah tiens, on va 75. essayer nos canons flak en tirant sur les chars. Gun 88. Mais Oh sinon, ça marche mince! bien. Il y avait une mine! Désolé, il y avait une mine! Je te l'ai dit au moins. C'était un oubli. Mais je suis pas méchant, j'ai juste oublié de dire qu'il y avait une mine. Juste oublié. Là, moi, pour le coup, je fous des bunkers partout pour éviter qu'ils repassent avec leur infanterie. Oh mince. Bon, j'ai oublié de faire sortir mon unité d'infanterie. En fait, ça, techniquement, c'est les troupes qui défendent leur QG, ça. C'est un beau petit lot de terre et c'est à nous. Au moins, ça occupe moi de mon côté. Oui. Voilà. Bon, il y a eu des pertes, j'avoue. Chez toi, t'as eu perdu quoi? Une escouade de grenadiers grade 3. Alors j'ai perdu pas mal de cartouches de fusil. Des obus aussi. Bon, c'est pas ça, mais faut peut-être qu'on prenne de ton côté. Ouais, j'avance. On a évité Kaidos. Oh non! J'avais oublié qu'il pouvait passer par là. Nine, 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 nine. Ouais, ça arrive par en dessous. Ils sortent des bois, les Tarzans. Moi, Jane, toi, Tarzan. Ou non, c'est plutôt l'inverse normalement qu'on fait, mais pas grave. Oh. Je trouve qu'on gagne assez de munitions, je trouve, pour le moment. Non. Non? Ah! En fait, j'avais pas jeté coup d'œil quand j'ai dit ça, mais oui. On gagne un petit stock, quoi. Gagner sans. Je crois même en fait, j'ai jamais gagné ça en multi. Ah ouais? Bah, t'en 107. Vous allez rencontrer mes mines anti-char. Moi, ils sont en train de passer. Parce que j'avais pas mes chars. Vous avez rencontré mes mines anti-char. L'ennemi attaque un
Ah, et en plus, ils utilisent leur truc pour faire artillerie, quand même. Ah, il est canon anti-char là. Déjà qu'ils me fument pas assez de troupes, ils utilisent. Ah, j'ai pas vu un cocktail moto, je viens de repérer une escouade bêtement. Faut que vous soyez plus attentif, notamment j'aurais pas dû envoyer mes chars au nord. Non, c'est bon, oui, j'aurais pu les garder. Je les ai envoyés en réserve et c'était une boulette. Voilà. C'est bon. La contre-attaque ennemie arrive. Je prépare mes troupes à contrecarrer toute tentative de fuite. Alors, une chose à savoir, d'un côté, il y aura un que des bâtons disciplinaires, et un success team demande de dégommer les bâtons disciplinaires, alors qu'ils sont pensés détruire convoi. C'est une erreur de traduction, normalement c'est dégommer en fait tous les bâtons disciplinaires. Et de l'autre côté, il y aura des blindés, des T-34, tout travail habituel. D'accord. C'est tout qu'à savoir. Dans une minute, ça va arriver. Oui, oui, oui. C'est ça. Bon, je vais mine anti-personnalisée partout. Non, non, de toute façon, faut arrêter uniquement les blindés. Non, pardon, mine en. Oui, non, mais. En fait, c'est parce qu'il a dit qu'il pose des mines antipersonnelles, mais non, c'est des mines anti-char, qu'est-ce que je raconte. Bah ouais. On sent mieux en antipersonnel, regarde, j'ai assez en grenadiers, sont tous équipés d'MG42. MG42 et DP28. Mais je mine anti-charise, voilà. Ne me demandez pas où ils vont inventer ces mots canadiens. Je suis pas canadien. Ouais, je sais, t'es comme moi, t'es haut-saunois. Hein. À l'origine. Ouais, mais t'es au Canada, donc t'es canadien. Nié. Merci de pas m'avoir fait sauter, mamie. Je vous en remercie. Tu vas y arriver de ton côté? Oui. Moi, j'en sais rien. Je sais toujours pas en fait où ils arrivent, mais. Le Smolensk. Ah, c'est au nord que ça arrive. C'est chez moi là. Ouais. Tu pourrais rien faire pour t'aider. Oui, j'ai deux canons anti-char et j'ai assez de mines. J'ai peut-être. Voilà, une mine et de moins. Si ça se passe bien, parfois vous pouvez même bloquer les convois en fait, sur le pont. Oui. Moteur détruit en plus à gauche. T'as un obus mortier qui est tombé dessus, coup de bol. C'est ça qui manque, je trouve, pour un multi. C'est les camions là. Les camions blitz, ouais. Tout ça. Y a les mêmes chez les. Il y a les mêmes chez les Allemands là pour voir les ressources. Non, non, mais transport de troupes. Ah. Ouais. Parce que techniquement, c'est un truc de transport de troupes. J'ai trouvé un mode sur pour mes compagnons Furos qui proposait, donc c'était génial. Ouais, vous voyez, il y a des véhicules en plus, je crois qu'il y en a un en rab à chaque fois. Bon, en gros, on laissait échapper un, mais pas le reste. Bon, objectif accompli, détruire le convoi russe. Et c'est terminé. Il y a tellement de flammes que je vois plus rien.
C'est que mes hommes, ils ont plus de ligne de vue. Ouais, je sais. Bon, on a pas tout tué, on a pas tout tué bataillon aussi finalement. M'en fiche, j'ai déjà le succès, mais c'était pour eux, pour qu'ils le sachent, au moins comment on D'accord. ce succès. Ah, moi je l'ai pas, c'est pas grave. Victoire. Je vais pas te mentir, je me suis mis en, IA facile, j'ai fait ça avec une IA avec moi et j'ai et voilà, j'ai barricadé à coups de champ de mine l'anti-infanterie et de mitrailleuse dès qu'ils spawnaient, ils étaient morts. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie encore Vateu de m'avoir accompagné. Pas de problème, ce fut un plaisir, je crois. Ok, ça pour nous, on se retrouve pour une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.